ça. L'endemain, il y a un bureau, se promène encore. Elle est il voit maintenant deux de ses frères qui se battent. Ah, yes, yes. Et tes amis, j'ai combattu quelqu'un à cause de vous. Comment vous deux là, vous vous battez? Vous vous battez une même famille. À une même nation. Vous pouvez avoir la paix. Jusqu'à il est parti à Madian. Alors là-bas, il voit le prêtre s'assoit à côté d'un buis. Et à la fille du prêtre, Jethro, qui sont venus pour plusieurs jours. Et il y avait des gens qui sont venus la menacer. Là, il y avait d'avoir. Et comme lui, il aime défendre les gens, il va se battre et puis défendre les femmes. Et quand il dit qu'ils avaient dans son caractère, ils sont partis à la maison. Alors ils arrivent très tôt, ils disent à papa, ah, et bien, les gens qui sont venus nous attaquer. Et papa, ah, les gens qui sont venus nous attaquer. On ne sait pas comment ça s'est passé. Ton avis, c'est Wally. Il a gagné une femme là-bas. Alléluia. Amen. Quand vous faites le bien là. Comme ça, manier. Il a dit oui. T'as vie ici. Alléluia. Amen. Le bien fait n'est jamais perdu. Yam manier à cacher mes amis. Alors Moïse maintenant il se marie, il devient maintenant beau-père de Jethro. Alors il décide maintenant, il a gagné du travail. Il s'occupe des animaux de Jethro. Et maintenant il va dans le désert pour s'occuper des animaux. Alors la Bible nous dit qu'il a vu. Dans le désert, il a vu un buisson en feu. Oui, dans ce vrai, quand t'as senti ta ouïe au moins, à Nienda, tout le monde se mourit. Ah, si c'était moi, j'allais fuir. Ah, d'ailleurs, mamie, là, vous vous comptez. Imaginez que vous vous retrouvez quelque part à Dori ou bien quelque part, mais voilà, il ne sait pas c'est où il y a des airs au final. Tu vois un buisson qui est en train de brûler. T'as fait des problèmes, oui, mais tiens, nous, 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 et puis les feuilles sont toujours intactes. Si tu as tout arrêté de me mettre de canard, mais Moïse dit, ah, ça là c'est quelque chose d'intéressant. Il s'approche pour l'aller. Il a non seulement il y a du feu, il y a si tu pouvais bébé. Mais une voix qui nous dit, ah, on ne peut pas venir à côté ici. La roue en paix, c'est d'ailleurs, enlève tes souliers. Parce que le coin là, c'est un lieu saint. Que Moïse a rencontré Dieu. La yaïwa kapkamela mouïna. Une rencontre divine qui va transformer la destinée de Moïse. C'est une mission alors que Dieu a envoyé Moïse. Pour élu. Pour l'inga sin wita wenam sin kita mouïna. Y'a pour l'inga sin na espère mouïna. Comme quelqu'un qui va aller délivrer Israël de l'esclavage. Moïse de remettre ses nages de fin et c'est un billet pour la forêt. Si vous lisez Exode 10, après que Dieu ait envoyé Moïse, Moïse a dit quelque chose. Moïse a dit quelque chose. Dieu, de toute façon, quand tu veux
que moi tu veux que j'aille parler à chose à Pharaon. Ah oui, mais bien que n'a rien à être maintenant de combien de temps. Moi, c'est pas pareil. Mais bien que tout le temps. Malin, ça marche pas. On vous dit que vous allez faire des pieds de tout. Tout le monde sait, vous savez comment les pecs. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Dis à ton voisin, il est rencontre divine. Faux. Regarde, regarde ton voisin, je veux la rencontre divine. Il est la rencontre divine. Je veux la rencontre divine. Gédéon était un peureux. Il est devenu un héros. Et pour cela, je vous ai dit de lire le chapitre 6. Et le chapitre 7 des juges. C'est un exercice de maison que je vous donne. Lisez ça, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. C'est une révélation. Après avoir lu ce passage, vous n'allez plus permettre à quelqu'un de vous intimider dans la vie. Du peureux, il devient héros. Il lui a donné tous les tactiques possibles pour aller vaincre les malades. Et Moïse qui était fugitif, il est devenu maintenant quelqu'un qui va délivrer une nation. Moïse qui était un fugitif, il est parmi les grands leaders de l'histoire. Alléluia. Amen. Quand tu vas rencontrer Dieu, ton histoire va changer. Alléluia. Amen. Quand tu vas rencontrer Dieu, ton histoire va changer. En 1997, j'étais au lycée municipal de Koudougou. J'ai regardé ma vie. Je souffrais. Moi, je suis venu au Burkina 1994. Je suis reparti en 1997. C'était dur pour moi à Koudougou. D'abord, on cherchait à comprendre notre propre culture. D'abord, on cherchait à comprendre notre propre culture. On a embrassé une culture qu'on ne voit, qui n'est pas la nôtre. Quand on est arrivé au Burkina, on a vu que c'était très différent. Pour lui, comme tu as le même vivant, il veut son pas. Donc le problème était que, en Côte d'Ivoire, on disait qu'on est burkinabé. Quand on est arrivé au Burkina, on dit qu'on est ivoirien. Même si les gens ne parlent pas là, à l'intérieur, ils sont misérables. Moi, je souffrais intérieurement. Parce qu'on combattait de l'autre côté. La tonne de la le juge arrivait chez moi là. Tu serais libre. Non, je vais crier au fond que tu voulais. Maintenant, j'arrive au Burkina. Tu marches comme ivoirien. Donc, tiens, d'ailleurs, coup de bannière, voilà. Mais d'abord, ça, c'est pas le problème. La caille, elle est là. Moi, je n'arrive même pas à avoir à manger. La mère est capable de me dire. Une fois, elle fait une semaine sans manger. Ou à quatre, elle est malade, à ce moment-là, c'est capable de dire. Pas le problème. La caille, elle est là. Voilà ma maman qui est assise. Ah, non, ma fille, c'est je vais au village. Quand je la regarde, on sent plus de gâteau. Moi, je ne peux pas voir ça. Je ne peux pas regarder ma femme. Je ne peux pas regarder à quel point mes petites soeurs souffrent. J'ai décidé de quitter le pays.
C'est ma mère qui a dit et aller dans un pays inconnu. C'est là que je suis allé en Côte d'Ivoire. Elle est dans un Côte d'Ivoire. Même pour aller là, je suis allé aider ceux qui organisent les convois là. Je ne peux pas rester à Abidjan. Je suis un apprenti pour aller à Boisseau. Il dit bon, écoute, on a des amis là, est-ce que tu peux aller remettre notre lettre à Foulou? Il dit ton tarage en bas, il dit que c'est un café blanchique. Alléluia. Amen. Et j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Et ils m'ont dit bon, on a une cellule où on prie. Et bien, ton tarage sur le pour sur le est-ce que tu es bien resté pour aller prier avec notre groupe? J'ai dit, il n'y a même pas de problème. Il est même soir, j'arrive. Il y a un monsieur ici, que Dieu a appelé. Il est un grand évangéliste. Il est un voyager à travers le monde. Anas, voyage, tout le monde va parler de Dieu. Mais vous savez, moi j'ai un problème à la prophétie. Là, la mienne est une date, rien par les prophéties. Il n'y a pas trop écouté pour nous. Mais pas mon prophétie, il y a des gens souvent qui disent que c'est faux truc. Bah, la développée est à rien, quoi de mes gars. Moi, souvent, je dis Dieu, toi, vous pouvez parler. Ça va dire qu'on arrête pas de dire à autre. Oui, n'a pas de problème. Alors, j'ai voulu me concentrer pour ne pas qu'on sache que je suis touché par la prophétie. Mais ma mère, n'a rien comme ça. N'a rien de bravo dans le petit bain, mais comme ça, ça n'a rien. Et un coup, je commence à pleurer. La zi pour madame, moi, c'est un yamé. Mais pourquoi j'ai pleuré? Par à la fin, tout le monde me vient. Évangéliste Daniel. Ah ouais, c'est Alléluia. Amen. Alors, c'est là que je commence à développer une passion forte dans la prière de jeûne. Un jour, j'ai fait un jeûne d'une semaine sans manger. Le 8e jour, je dormais entre 4h35 du matin. J'entends une voix qui m'a parlé. Et moi j'ai dit, mais j'ai envie de faire quoi là-bas? Elle n'a pas dit, si tu veux parler, je vais envoyer quelqu'un à ta place. C'est quoi Aïe? Donc ça dit qu'il y a une autre manière de faire quelque chose. Non, je veux partir. Elle n'a pas dit, je prends soin de tout. C'est quoi Aïe? Maintenant, il faut que tu me fasses les lits. C'est tout.
tellement le balai, toutes les phrases que j'ai entendues ce jour-là. Je me suis levé le matin. Il y a un ami qui est au Ghana qui est pasteur. Il était avec nous samedi passé.